Il y a cette belle composition de Guru Nanak Dev Ji qui signifie la chose la plus importante, ce ne sont que tes pieds de lotus et rien d'autre. Je ne sais pas si vous allez participer avec moi ou pas, mais essayez. En fait, c'est juste un rappel, car les mots disent « Mon âme aspire qu'à une seule chose, et ce sont tes pieds de lotus. » Je ne cherche rien d'autre, que ce soit la richesse ou même la libération. C'est un rappel à chacun d'entre vous, car nous faisons partout de l'ensemble. Très souvent, nous aimons nous séparer, mais en réalité, nous ne pouvons pas être séparés de cette grande existence de la vie. Man preet charan kamalare, man preet charan kamalare. Thank you.
Mana prita charana kamalare
mana preta charana kamala re 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 vittala 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 jai hari vittala 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 jai hari 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 vittala Vittala jai hari vittala 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 jai hari vittala 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 jai hari vittala 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 jai hari vittala 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 jai hari vittala 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 jai hari 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 vittala 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 jai hari vittala 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 jai hari 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 vittala 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 jai hari vittala Mana preta charana kamala re Mana preta charana kamala Jai Gurudev à nouveau à vous tous. Ce bhajan, en fait, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un rappel. Vous voyez, de nos jours, lorsque nous regardons le monde, que percevons-nous ? Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux avec soi-même. Lorsque nous regardons autour, c'est ce que nous voyons. Pourquoi ? Et tout le monde veut changer quelque chose dans le monde. Tout le monde veut amener la paix dans le monde. Je me souviens, une question au Kenya, quelqu'un m'a demandé pourquoi il n'y a pas de paix dans le monde. Et je me pose la question, et j'ai posé cette question à cette personne. Est-ce que vous avez la paix en vous-même, tout d'abord ? Nous voulons la paix dans le monde, et pourtant, nous ne voulons pas être calmes et en paix nous-mêmes. Nous voulons la paix dans le monde, et nous ne voulons pas être heureux. Et cette personne a dit non, car tout le monde veut être heureux. Le problème, c'est que vous voyez, lorsque nous parlons de bonheur, que voyons-nous ? Nous voyons tout d'abord notre propre malheur et on se concentre sur notre malheur. Et la première chose qui s'éveille dans notre mental lorsque nous pensons au mot bonheur, quand on se regarde soi-même, que voyons-nous ? On voit notre imperfection. Et automatiquement, lorsque nous voyons cette imperfection, ce que la société nous a entraînés à faire, quelle est-elle ? C'est de juger. La première chose que l'on fait est de se juger soi-même. On ne peut pas s'accepter. Vous voyez, je dois être parfait, surtout sur le chemin spirituel. Tout le monde aspire à la perfection. Mais quelle est cette perfection réellement ? On parle de la perfection, mais la perfection n'existe pas en réalité. Si vous avez créé une certaine idée de la perfection, c'est juste une idée qui vient de quelqu'un d'autre.
Et cette forme de perfection n'existe pas. Si vous voulez vraiment être heureux, retirez ça de votre mental. Depuis petit, vous savez, vous avez été entraîné à penser que vous devez être parfait, vous devez être parfait. Non, vous n'avez pas besoin de cela, vous avez besoin d'être vous-même. Et cela vient avec l'acceptation. La première chose est que vous devez vous apprendre à vous accepter vous-même, tel que vous êtes. Si vous ne pouvez pas vous accepter vous-même, comment accepterez-vous quelqu'un d'autre ? On veut accepter tout le monde, on veut aimer tout le monde, on veut la paix dans le monde entier, et pourtant, on ne peut pas même accepter comment Dieu nous a créés, comment Dieu nous a fait. Et c'est cet appel du monde, cet appel de ce soi intérieur, d'être en harmonie avec l'ensemble. Cela veut dire que vous devez vous voir comme faisant partie de l'ensemble. Vous ne pouvez pas être séparé de cela. Et c'est le problème lorsque vous commencez à vous séparer. Nous sommes spirituels, cette personne est ainsi, cette personne est comme ça. On pense qu'on est supérieur à tout le monde. Mais non. Dieu merci, vous n'êtes pas au contrôle de la vie. Si vous étiez au contrôle de la vie, vous savez le chaos qu'il y aurait déjà avec vous-même. Il y aurait un très grand chaos. Car d'abord, si nous analysons la vie, regardez la vie, à quel point Dieu a fait chaque chose qui fonctionne de façon fluide, normale. Vous êtes-vous analysé? Vous êtes-vous vu vous-même? Lorsque vous êtes assis en méditation, par exemple, pourquoi pensez-vous que les saints et les sages ont dit « méditer » ? Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, il donne une belle méditation. Concentrez-vous sur votre respiration. Qu'a-t-il dit? Regardez votre respiration, écoutez-la, observez-la, observez le flux, comment vous respirez. C'est la sadhana, c'est la méditation. La méditation, ce n'est pas juste vider votre mental complètement et lorsque vous revenez à votre ancien vous. Par l'observation du flux de votre respiration, vous pourrez observer que vous faites partie de l'ensemble de tout cet écosystème et vous n'êtes pas séparé. Même si vous voulez être séparé, vous ne pouvez pas être séparé. Et c'est cela que vous devez avoir en tête dans votre mental, que vous n'êtes jamais séparé de l'ensemble. Mais tout le monde veut être séparé. Tout le monde veut avoir son propre petit monde et ensuite ils deviennent malheureux. Et c'est le danger des choses. Car vous voulez être au contrôle de votre propre petit monde en lui-même. Mais Bhagavan, celui qui a tout créé, qui a placé chaque chose dans un état parfait, à quel point de façon magnifique. Imaginez comment votre corps lui-même fonctionne. Vous savez que vous respirez de l'oxygène, vous expirez du carbone à l'extérieur. Contrôlez-vous cela? Non, vous ne contrôlez pas cela. Cela se produit de façon naturelle. Naturally, par soi-même. Imaginez que vous contrôliez cela. Que se passerait-il? Imaginez que vous oubliez de respirer. Et si vous oubliez de respirer, vous tomberez mort. Imaginez que vous contrôliez vos battements de cœur. Les yogis le peuvent, oui, à travers la sadhana, vous pouvez y arriver. Mais vous, en tant que personne occupée, imaginez que vous deviez contrôler les battements de votre cœur. Imaginez que votre cœur oublie de battre. C'est un problème. Imaginez que vous contrôliez la circulation de votre sang.
À nouveau, ça serait problématique, car vous savez qu'on oublie très facilement. On oublie, car nous mettons la priorité sur d'autres choses. Nous sommes occupés à faire en sorte que la vie des autres soit parfaite, heureuse, joyeuse. Nous voulons contrôler les autres personnes. Nous voulons dicter comment chaque personne doit vivre sa vie. Mais on ne voit pas sa propre vie. On ne voit pas cela dans le royaume des animaux. Avez-vous déjà vu une vache qui se réjouit pour la révolution du monde? Ou avez-vous vu une vache qui essaye de rendre une autre vache une super vache? Vous avez beaucoup de vaches en Suisse. Non, je n'ai pas vu tout cela. Je n'ai jamais vu aucune vache rendre une autre vache religieuse. Tu dois être religieuse, tu dois devenir spirituelle. Non, je n'ai jamais vu cela. Mais chez les humains, tout le monde clame d'être parfait. Tout le monde veut que les choses soient à sa façon. Et ils disent tous qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est l'ironie des choses. Ils oublient que ce divin qui demeure à l'intérieur du cœur de chaque personne, c'est ce que Krishna a dit, je suis celui qui demeure dans chaque personne, dans chaque cœur de chaque personne. Tout. On oublie cela. On oublie ce vrai temple. On oublie cette divinité qui réside à l'intérieur de chaque personne et on veut tout contrôler. Parce qu'on ne peut pas s'accepter soi-même. Voilà tout. Tout arrive au point où on arrive au point de l'acceptation. Lorsque vous acceptez, vous faites confiance. Et lorsque vous faites confiance, vous savez que tout continue avec la volonté du divin. Tout avance à sa propre façon. Il n'y a pas besoin de se battre pour quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'être. Combien de personnes sont juste eux-mêmes? Non, on veut être super humain. On veut être extra-spirituel. Mais on ne peut pas. D'abord, on doit arriver à cette acceptation de l'humanité, de notre être humain. On doit arriver à voir cet amour profond. La confiance vient quand il y a ce flux de l'amour. Et l'amour, c'est cela, Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient maintenant et qui ensuite disparaît. Et ensuite, on en a très peur. Non, c'est quelque chose qui continue, qui grandit à chaque instant. Et on doit arriver à ce point de confiance en la vie. On doit se jeter. Hier, je disais, nous devons faire partie de la rivière. Cette rivière de la vie qui coule vers cet océan. Si nous voulons être séparés, il y aura toujours certains qui essayent de nager à contre-courant. C'est la nature humaine. Mais dans cette rivière, on doit non seulement se laisser aller, on doit également s'immerger dans la rivière et laisser cette rivière couler vers l'océan. La vie continuera. Vous pensez que vous devez arrêter quelque chose ou faire quelque chose? Non, la vie continuera là où vous êtes. Il était écrit que vous seriez ici maintenant et ça ne peut pas être différent. Beaucoup de personnes qui voulaient être ici ne sont pas ici. Et c'est ainsi que la vie amène les choses. Peut-être certaines personnes ne voulaient pas être ici, mais vous êtes ici. Et peut-être que certains d'entre vous voulaient être ici maintenant et ne sont pas ici.
et c'est le flux de la vie. Quand vous, vous apprenez à accepter la vie, vous verrez que tout, chaque parcelle est mise au bon endroit et vous faites partie de cet ensemble. Il n'y a pas besoin d'être séparé de cela. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes choses quand tout est tellement simple. Et c'est ce que Dieu veut que vous aimiez. Mais pour arriver à ce point où on aime, ce n'est pas quelque chose de facile. Dans l'être humain, il y a trois qualités qui résident. Quelles sont-elles? Nous avons la qualité animale. Nous avons la qualité humaine. Et nous avons la qualité divine. Mais très souvent, nous oublions les deux autres. Nous oublions la qualité humaine et la qualité divine. En est-ce la qualité animale s'éveiller? Vous avez vu, avez-vous vu un animal lorsqu'il veut manger? Et ensuite, vous vous approchez. Que fait l'animal? Il grogne, non? Et plus vous essayez de vous approcher de l'animal, et plus l'animal va grogner. Car c'est le langage d'un animal. Il montre sa propre force et son pouvoir. Et on voit cela également chez les humains. Les gens perdent le contrôle d'eux-mêmes, car ils laissent cette qualité animale s'éveiller. Ils oublient l'humanité, ils oublient la divinité. Et ensuite, vous devez crier plus fort pour vous protéger. Et le mental est ainsi. Le mental doit crier plus fort pour montrer son pouvoir qu'il a sur vous. Et lorsque les gens sont autour de vous, les gens que vous aimez, très souvent, envers eux, vous criez, non? Car vous sentez que oui, c'est ok, rien, tout ira bien. Mais c'est le mental. Et pour ceux qui ne vous sont pas chers, que se passe-t-il? Votre patron, par exemple. Est-ce que vous criez parfois à votre patron? Derrière son dos, peut-être. Oui. Mais devant lui, non. Devant lui, vous êtes quelqu'un de très gentil et très docile. Vous avez le choix à l'intérieur de vous. Quelle qualité voulez-vous voir prévaloir à l'intérieur de vous? L'humanité, la divinité ou l'animal? Celui que vous allez accepter est celui qui prédominera à l'intérieur de vous. Éveillez-vous à cette réalité. À cette réalité du divin qui est à l'intérieur de vous, cet amour qui est à l'intérieur de vous. Pas ces fréquences plus basses, pas ces qualités plus basses. Car plus vous attachez à ces qualités plus basses, et plus la qualité animale prendra le dessus, plus vous devrez vous rebeller et plus vous devrez combattre. Lorsque vous pouvez juste laisser la vie continuer. Cette joie et ce bonheur continuer et laisser cet amour couler à travers vous. Car le divin ne se révélera qu'à travers cet amour. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de devenir super-humain. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de très grand. Vous avez juste à être vous-même. Et acceptez-vous, acceptez la vie, acceptez tout ce qu'il y a autour de vous. Avec l'acceptation, vous serez capable de faire confiance. Et là où il y a confiance, vous serez calme. Quand vous ne faites pas confiance, vous n'êtes pas détendu. Mais lorsque vous faites confiance,
vous serez détendu et à l'aise. Alors je vais le laisser traduire. Jai Gurudev.